Bonjour, nous sommes le 25 avril, jour de patch sur Gran Turismo 7. Nous nous attendions tous, je pense vraiment tous, hein, à nous faire violer par Polyphonie. Et quand je dis violer, je parle pas de la couleur, hein. On est bien d'accord, à ce qu'ils nous bloquent la Tomahawk. Bah c'est chose faite, ils nous ont bloqué la Tomahawk. Par contre, c'était sans compter sur mon pote Vince, qui nous a d'ores et déjà trouvé dès presque ce matin, je crois que c'était à 14h, un nouveau réglage que je vous fais péter maintenant. On va parler de l'étagement boîte ensemble. Je vous mets quand même la photo pour ceux qui savent faire. Bah vous faites l'étagement de boîte et vous quittez la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas comment faire 825 000 toutes les 17 minutes, notre rôle, véridique, y a pas de souci, hein, vous allez voir. Et ben, restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer comment faire un étagement de boîte et comment appliquer le nouveau réglage pour le nouveau patch 1.13 de Gran Turismo avec la Tomahawk. Vous allez capoter, non? Je vous mettrai le gameplay une prochaine fois parce que j'ai mis Bart Simpson qui ouvre la bouche quand on freine et qu'on tourne. C'est rigolo, mais on n'est pas là pour parler de ça. Petite info par contre, je fais quand même une dédicace au Duc qui m'a envoyé un message ce matin, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. Parce que grâce à lui, vous voyez ça là derrière? Je drift avec. Oui, absolument. Si on a 100 likes avant 22h ce soir, donc le 25 avril, je vous fais péter la vidéo Drift au Volant parce qu'elle est tournée, elle est montée. J'ai juste à cliquer sur YouTube, elle est programmée. Mais elle est programmée à demain. Si vous voulez qu'elle sorte ce soir, bah 100 likes avant 22h et ça pète ce soir. Bisous, profitez bien de ce réglage. Je vais continuer à vous parler, mais pour l'intro, c'est basta. Bisous. Donc, je vous montre une dernière fois le réglage définitif, les gars. Hop. Donc, vous mettez bien restricteur de puissance et ECU entièrement personnalisable et vous mettez à 70, c'est-à-dire au minimum. La vitesse max à 580, l'étagement de boîte, je vous le montre une dernière fois, et on a pu voir au début de la vidéo qu'il fallait vraiment faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça va vous les modifier quand vous allez accepter le réglage, il faut revenir dessus, et là vous avez le réglage définitif au point près. Des fois si vous touchez à un point sur un rapport, ça casse tout, donc faites exactement la même chose. Pour ce qui est des réglages suspension, il n'y a pas grand chose à toucher, et mettez bien les pneus course intermédiaire, parce que c'est ce qui va faire bouger les pépés également. Si vous restez en course dure ou en course tendre, ça va pas le faire. Voilà, merci à Vince. Si on t'entend dans le chat, vas-y, big up. Régalez-vous. Bon, il a pas voulu. Donc là, en gros, les gars, hop, vous faites l'étagement de boîte, mais il faut le faire en plusieurs fois, en fait. Donc, vous montez le premier. Ensuite, vous montez le deuxième. Voilà. Mais il faut bien monter les trois premières, comme je suis en train de faire. Et ensuite, vous recommencez jusqu'à monter au réglage de Vince, big up à lui. Et vous arrivez à 9619, ne soyez pas balécouillistes, il faut vraiment mettre exactement les mêmes numéros au minimum pour les premiers rapports. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas fonctionner. Peu importe gros, je la fais quand même, peu importe, c'est le jour 1 là, peu importe mec. Je le dis, je le laisserai également dans la vidéo, je le dis, c'est pas la peine de mettre un commentaire en mode ça a été fait ce matin, là on est sur le jour 1, et puis peut-être qu'un autre va trouver avec un autre étagement de boîte, là c'est un mec de notre équipe qui l'a trouvé, donc voilà, et puis on est jour 1 du patch mec, tu as géré, donc même si c'est déjà posté ce matin, et puis de toute manière, c'est bien ma chaîne, je fais encore ce que je veux. Et j'ai demandé, je vous ai demandé au moins 4 fois si vous étiez sûr que vous voulez pas la faire vous. Salut, je suis en train. Ah bah, avec ce que nous montre Vince aujourd'hui, on peut constater que n'importe quoi marche en fait. Hein. N'importe quoi marche. Hein. Tu peux faire tomber les PP ou les faire monter comme tu veux. Bah, les faire monter, ça a l'air plus difficile que les faire descendre avec un étagement. Quoi qu'on n'a pas encore essayé. Souka. Thank you.
Oh là là, t'es un tueur, mec, t'es un tueur. 572 pp, c'est bon, les gars? Ouais.